Un nouveau jour, un nouveau Pona Congo, Yalelo, Tozali, wana toujours na cadre à Kolobela, actualité en Boka Nabiso, le lenge bo mesano, lenge bo yebi, na plateau nanga na zaranga mon côté, Tozalaka toujours accompagné, na bayi politique, ya ba tendance nyonso bien sûr, ba endeko ya société civile, bandeko ya majorité, tope ya opposition, Tozalaka toujours wana, Pona Kolobela, likambo etali bongo, Mboka Congo, nyonso, Pona Congo, na zaine singo présenté, lebino, emi ya mokolo ya lelo. Alors pour na Congo ya mokolo lelo to yambeli bino ba invité mibale toza bongo invité langa ya liboso maître Jano Lompepe azali bongo moko ya lingomba politique FCC ye na bengi ye akota déjà na plateau na ngai mbote maître bonjour madame, merci beaucoup pour l'invitation. On a pu mbote également là bas milliers de téléspectateurs pour qu'on arrive sur notre tournée là. Merci mille. Alors c'est pas lui qui a embarqué vraiment na plateau na ramo qu'on a le lot. Joseph Kabila a bêti moi tout na ramo Congo central à Zobongsani. Non mais écoutez, par rapport à la tournée à Joseph Kabila, Kabanga oui mais Kabila peuple congolais a poussé en aille. Alors il était qui ancien président de la République, il était qui sénateur à vie, à qui n'est que tout à la bande à ya Congo central où bah c'est qui habite d'abord tout parce que oui mais depuis que Kabila qui est bientôt là déjà 4 ans. Peuple congolais à comprendre que non, Kabila vaut mieux Kabila qui est de ce qui fait que non, Kabila il fallait qu'il n'ait pas la bande de au niveau de Congo central, mais également que tala Makamomosusu, OEP, à Salakana, on a Katia, province, on a ensemble le Congo, le Lénine, tout le monde booster, province, on a Congo central, et qui ne le bosse pas beaucoup. Tozangé là, le coup à mettre en silence, à l'objet Pelo comme Makasimakasité. Tozangé a invité Ami Balen, de Ko Eric Tuiswaka, Azali Bongo, Moko Alingoma politique AFDCA, Azali ya Union sacrée pour la nation, on a Azali Kosenga déjà à Kota na plateau Nabiso. Moi, je suis un peu comme bonne union sacrée. Union sacrée, je suis une invitation à Nabino. Je suis un président de la République d'abord, le garant du bon fonctionnement des institutions. Je suis bien accueilli l'article 69 de la Constitution, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je suis un président de la partie Nabiso, le professeur Modeste Bati Lukwebo. Je suis bien accueilli le pharaon de la politique réfléchie, faite avec éthique et déontologie en République démocratique du Congo. Namoni. Maître Aoutiko Lobaye, te vaut mieux Kabila Zonga avec Félix Tshisekedi. Oui, soki mutu na vie a zui malade ou bien garangu malade ou bandoki ba bien garoni femme de nuit ou mari de nuit. So ba bengani mari de nuit ou femme de nuit kolinga so sa zonga te poso ka zongi ya mbala mi sa tuto mi balé a voya ko détruire. Donc bon so y peuple comment on a que apparemment pas c'est l'équipe wana de ba banzembo ba koembe la Kabila sa zonga. Te pas c'est l'équipe za lokuta. Ce qui m'a dit, c'est que passe les gens au Congo à Kossi. Ce qui les 18 ans. Non, ce qui les 18 ans. Non, écoutez, tu as dit que tu as changé Nyonso. Mais tu as proposé ma base. Et dans la base, tu as proposé ce qui est au Talou et investigué au Kouta qui va avancer les alliés. Pour ce qui est au Nindeko, au Ninkabi, la Tikaki, au Fat Félix, c'est que d'ailleurs au Boma. À Koulak Sangelo, comme mon côté. Vous voyez, donc, je vais vous dire que Félix Tshisekedi a bombé Mboka. Félix Tshisekedi a coupé Mboka, a bombé Mboka, et a bandé Mboka à base, et puis pour qu'on construise Mboka Nabiso. Donc, je crois très bien, que vous avez fait il faut qu'on recadre Mboka. Vous avez fait la 4e émission Nabiso, il y a Mboka Lelo, vous avez fait que vous avez fait si j'ai mis balé, ils arrivent vraiment principal, vous avez descente, il y a Mboka Vital Kamerhe, dans l'Est de la République démocratique du Congo, à l'obé, il y a Mboka Libongo, Kimia, paix, sécurité, vous avez fait Mboka, il y a déjà 3 mois. Ou ta jour pour jour Bounagana ezali na maboko ya ba rebelle ya M23 au bazali bongo a prié par le Rwanda pour nani tozo récupérer ma bien na bisoté. Est-ce que ça échec, est-ce que ba problème ya leadership des ozanga nini penje zo sala bongo pour na ekolo pour na mboka mokona lelo pour na Congo tokolobela yango pour que toye ba solution nini kozwa a part wana ezala sije moko ya makasi to kota na mozindola bande konanga mibale
catholique et bazape bilenge nini salemi nini salemi nanote na mboka Congo trop lobela bongo parcours sociopolitique ya mboka na biso wuta Mobutu kino lelo to commune a Félix Tshisekedi koleka na na bakabila mibale le père et le fils toza kala mbumeso na koloba entel asala elo côté asala elo côté nini salemi nini salemi nanote to repartager ango na bandeko na biso bozala rassuré que ceux qui ba bengio na plateau ya ya pona Congo ozala rassuré que o meme na biso ba solution na yo koyaka ko finga te koyaka ko critiquer te meme na biso ba solution na yo etant que mwana mboka po truc to tika lika na kabila Tshisekedi finalement to okende wapi nyonso wana ezali vraiment malam mingi te ceux qui toujours pesa makanisa biso pour la solution ya makamba mboka ezali vraiment malam. Alors maître Jeannot le pepe tolandi bongo discours ya mwana mboka Vital Kamerhe kuna na Est République démocratique du Congo pour la likamba etali bongo Est comment est-ce que vraiment yo la naki yango parce que a lobela ki mo ba point ebele e menyo sezaya ki ko baluka mingi mingi na kati etali likambo ya kosongisa kimia na Est. Comment est-ce que vous analysez? Non, d'abord, madame, merci beaucoup pour la question. Je vais vous dire que vous avez dit à propos du discours. Mais c'est important. Je ne veux pas que vous avez dit que vous contradiction. Ils ont avancé sur la Congolais. Mais lorsque dans le lobby, il y a Kabila, c'est parce que c'est le peuple qui décide. Le peuple est souverain. Au moment où tout ça, l'idée est politique. Nous avons dit que nous n'avons pas un peuple. Donc, on a un peuple, le beau qu'on a eu, après sa mission, bon, on est une partie à souveraineté, de sorte que nous avons une capacité à coexister en haut, dans quatre tiers d'institution. C'est comme ça qu'on a vu que la différence, c'est à ce niveau-là. Parce que c'est le peuple qui décide. C'est le peuple qui a la mukaga. C'est le peuple qui a besoin pour ça qu'on lit à Malamu. C'est le peuple qui a besoin de ça là. Au moment, il est jeune comme moi. Je ne sais pas s'il a un travail. Mais il est dans l'union sacrée. Est-ce que dans l'union sacrée, faire seulement la politique, ça le travail? Non, ce n'est pas ça. Au second, le peuple accompagne que non, à un moment donné, il y a un Kabila Zala, qui par rapport à des conflits. Mais 18 ans, durant Kabila, qu'est-ce que ça a quitté au salaire à 5 ans, Moussousou, au salaire à 5 ans, au salaire à 18 ans? Non, madame, 18 ans, c'est toujours important à vous rappeler. Dans les 18 ans, nous avons travaillé avec tout le monde. Félix, à toi, tu sais que tu l'ombo. Tout travail qui n'a pas. On a connu des moments de transition. Mais pourquoi on ne parle pas de transition? Il y a transition à l'époque, implicite 4, pourquoi on n'en parle pas? Mais comme on a un fils, comme on a un homme d'État qui s'appelle Joseph Kabila Kabang, il est assassiné Maka. C'est comme ça que nous endossons même et les bilans de transition et même les bilans dès qu'il y a nous sommes écoutés à la moto naï. Au second, c'est ça même le souhait d'un homme d'État. Un homme d'État à sa moto assassine Maga. Un homme d'État à sa moto à l'a raté. Oh non, on a de tous les pays. Non, non, non. On n'a pas de tous ces pays ici. Parce que je me rappelle, RND Kolabiso Tshilombo, à côté qui n'a pouvoir, je crois le 24 janvier 2019, Tokinda qui n'a parlé de la nation, à côté qui m'a c'est là qui debout. À côté qui m'a c'est là qui n'a sécurité. À côté qui m'a il y a eu un Bounaga, je crois qu'on cite un mot. Et c'est là qui n'a quatre intégrité nationale. Mais le 3 mois après, il est parti à la localité à Mokalabiso. Ils sont occupés par madame, les rebelles. Mais dans l'entretemps, il faut dire, il faut ça, dire que le problème à Est, c'est Bandina Ndeko Félix Tshisekedi. Non, mais écoutez, madame, lorsqu'on vient au pouvoir, il y a qu'on peut reporter ma solution. On ne vient pas au pouvoir, il y a qu'on peut coller là, non. SF, il ne se plaint pas, madame. Ce qu'on dit, c'est qu'on se plaint. C'est qu'il est encore comme une asuka. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre. On n'a qu'on porter ma solution. Mais nos amis, pour porter regard, doivent les passer. C'est comme si. Les passés, vous allez comme bilan de Gautilom. Non, c'est pas ça. Bientôt, c'est 5 ans déjà. L'année prochaine, vous allez devoir vis-à-vis un peuple. C'est le peuple qui va trancher. Si réellement, tu sais qu'il il était à l'auteur par rapport à ma projet à la société naïve. Par rapport à ma réalisation. Donc, on a dit FCC Bobby, solution Zaka, Joseph Kabila Azonga. Mais est-ce qu'on a FCC Moutoumso a proposé à Zateka Joseph? Non, madame, c'est important de préciser. Pourquoi pas yo? Nous, au niveau du FCC, nous avons beaucoup de candidats. Mais notre candidat naturel. Et tant qu'il y a une plateforme politique, et tant qu'il y a notre famille politique, Tolobaka, c'est notre chef, Oazaline de Joseph Kabila Kabang. C'est lui notre candidat naturel. Mais ce qui a décidé, à l'objet que nous avons postulé, je crois que la carte plateforme, on a vu ça, tout ça, tout ça, c'est belé ma case. On va compétir avec compétition électorale, donc, c'est très important. Et dans le contexte, c'est un beau cannabiso. N'importe quel candidat, madame, avec une vision claire, avec leadership et à ma case, avec un projet réalisable, je crois que tout le monde peut battre de Gautilomo. Sans tricherie.
Parce que l'élection 2023, tout ça, c'est une tricherie. Les élections ne peuvent pas être comme tout ce qu'on renouvelle. Mandat à chef coutumier. Oh, tu bien, mais c'est à toi, Félix, qui sait que tu le mot. De ton bon élection, n'est-ce pas? Dossier rapidement. Dossier, il y a Vital Kamerhe, madame. Je crois que l'année qui discours, on a des lobbies avec Vital Kamerhe. Mais Kamerhe, d'abord, un, depuis sorti, il y a prison de Kamerhe, Kamerhe, il se rattrape. Pour la raison, on a quand il y a scène politique. Au second, on a parce que le dossier, c'est un jour, on a là qui est totalement essoué. Donc, Valère Nagnos, et là qui est repère. C'est comme ça que lorsque Bakita qui est. Nga est un avocat, bon, n'a pas de décision à justice. Vous avez pour ça, vous avez un commentaire de Asa déjà Libanda. Mais ce qui est le problème, c'est que Kamerhe a été en Est. Professeur a été en Est, malgré le discours, il y a paix, Amman, il y a Est, madame. Mais a été en professeur, l'état de siège existe déjà. Au second, moi j'aurais voulu qu'il n'y ait pas de Kamerhe, Asa ne fiche que bilan. Asa la bilan, mi-parcours, une année après, l'état de siège a réalisé est nul. Parce qu'on a l'impression que non. Basson, il va reconnaître des échecs de l'état de siège. Alors, pendant qu'on brille, c'est quoi l'opinion de la population, Batini Kamerhe, il y a comme ça la campagne. Pas plus tard que récemment ici, on a vu Bahati Lukobo, il était là-bas. Il a fait ce qu'il a fait. Après, il a zongi. Est-ce que Kimé a zongi? Est-ce que Mounaga les a récupérés? Ils ont zongi. Donc, c'est comme si il y a une stratégie à négocier le mot. On a planifié en mode de valeur que non. À ce moment-là, il y a une incapacité. Il y a qu'on résout des problèmes de sécurité. C'est comme ça qu'on va continuer à l'idée à quoi on a. Pour la condition de la population, il y a pas un message pour les efficacité. Mais lui, au moins, s'est exprimé par rapport à l'autorité morale. La Bino Oti Lelo, ancien président de la République, ne s'est jamais exprimé sur la question de l'Est. Est-ce que ça l'a capacité? Non, mais écoutez, madame, ce qui Kabila s'est exprimé, mais les collaborateurs à Kabila, bah, exprimé qui? Non seulement à Katia FCC, il y a même l'ancien directeur de cabinet, le professeur Némi Moulagne. Lui aussi, il a même écrit. Je me rappelle lorsqu'il y a cela qui est dans une cérémonie à vernissage, au voit Jinaï. À 5 ans qui même n'a pas dirigé à tous les gens. Ceux qui sont comme limités, ceux qui sont comme na souka, pourquoi pas de consulter dans ces dirigeants? Parce que Kabila aujourd'hui, madame, Kabila c'est notre monument. Kabila c'est notre héros ici, non seulement au Congo, même au niveau de l'Afrique, même dans le monde. Tout le monde doit reconnaître les mérites à Kabila par rapport à la démocratie. Mais pourquoi on ne veut pas? C'est parce qu'on a en face à Bato. Bazo reconnaître ce qu'on a bangoté. C'est comme ça qu'au moment même, de Gauthier, je suis par là, quand il a signé l'accord, il a signé, pour en arriver, il y a tout pour la communauté d'Afrique de l'Est. Madame, un pays comme le Congo, on est que tout s'occupe sur le plan interne ici, mais de Gauthier, par leadership, il est faible. À qui il comprend encore notre souveraineté. On a le lot au temps à qui tient les bandeli. Mais le président de la République, Félix Tshisekedi, a dit qu'il s'est retrouvé à Kenya pour participer à la prestation des serments. Il y a le nouveau président, William Ruto, qui a été élu récemment. Procès Kabound, l'audience, il y a lundi, ils ont reporté le 17 octobre pour la cause. Moko et rapport médical, ils ont dit que ça a été et le bic de Kabound, ils ont vraiment malade. Makasi, vous voyez que Vital Kamerhe, comme qui lobby, pas ça, qui bongo. Asalaki bongo discours na ye, bisika pi ayambamaki na ba milliers de centaines de milliers de augmentations ba ki bongo ko yambaye lokola moko ya leader ya Est République démocratique du Congo pe liboso ya presse lobby eleki gouverneur militaire ya Nord Kivu alaka ki ko FARDC a ko récupérer Bounaga na to noté que ezali bongo 3 mois, jour pour jour, où Tabounaga na ekoya na maboko yaba M23 ndeko Eric Tozana yo elongo Bounaga na 3 mois jour pour jour, on n'en parle plus. Apparemment, to leki na makamo susu, to tiki na biso, to komo na biso na makamo ba salaire, to bosali na biso, alors que mboka na biso ezala maboko. Est-ce que ça moko ba faiblesse na côté ya pouvoir ya en place? Merci beaucoup pour la question. Je crois que il faut en recadrer d'abord ce que j'aurais écouté ici sur ces plateaux. Naokine de Koyangam, il y a Pepper 2, Maître Jeannot, à qui j'ai beaucoup de respect à lobby. Bon, il a parlé à lui que le peuple décide. Certainement, dans l'élection, c'est le peuple qui décide. Mais le peuple ne décide pas sur base, il y a bateau, bazar, immoral, des personnes immorales, de l'immoralité, des antivalaires.
ceux-là qui ont détruit la République démocratique du Congo, peuple azali mature, la population congolaise est mature. Olubi Kabila azali monument, mais des monuments de démocratie, azali monument, il y a impunité, il y a anti-valeur, il y a pas détournement, il y a pas complot, il y a pas assassinat. N'a rappelé Batonio soit confronté, il n'est pas personnalisé débat. Non, exactement personnalisé, je suis simplement en train de rappeler puisque quand on parle de Kabila, on peut pas faire des éloges à quelqu'un qui a détruit ses pays même sur l'économie. Les autres dans l'économie extravertie, les autres aux bah, problème bien bah, secteur révélé. Vous avez récemment même vu ma communauté bah, secteur il y a hydrocarbures, les gens en ont parlé, les gens ont critiqué, les gens ont insulté même maître Didier Boutimbou, ils ont incité même le gouvernement, ça m'a le connu. Boutimbou, il est avocat aussi. Plus Makambele Balobaki. Mais soit opposé à ton abysse sur un grand bouillard, FCC, il y a PPRD. Ça, c'est l'abysse statistique, bilan et gestion à Kabila. Tout qui n'est pas statistique, n'a secteur par secteur. Qu'est-ce qu'ils ont produit? Qu'est-ce qu'ils ont fait en 18 ans? Est-ce que ce qu'ils ont laissé en 18 ans? Et qu'ils ont l'exemple, ton modèle pour la République démocratique. Je pense que de ce côté-là, il ne faudrait pas qu'on cause à peuple congolais. Hein? À l'objet du travail, est-ce que Kabila a-t-il donné au peuple congolais du travail? Faisons les statistiques. Combien de bilans il y a travail à Pessiba congolais? Combien? Ça a un pourcentage. Tant qu'à côté, il y a un pouvoir, à côté, il y a un chômeur, un jeune, il y a un sans emploi, combien? Tant qu'à Bimé, il y a un travail, il y a un combien? Vous en avez bilan, vous pouvez faire ça. Donc, ce n'est pas un exemplaire. Alors, oui, mais ça, vous avez critiqué Félix Tshisekedi. Vous avez critiqué, vous avez Kabila. Il faut que ça ait une étude comparative. C'est ça que les intellectuels font. Quand je vais critiquer un homme, un monsieur X face à monsieur Y, il faut que ça ait une étude comparative. Ndeko, par rapport, il y a Salibouye, il y a Salibouye. Alors, vous n'avez pas des éléments techniques à pouvoir démontrer ici que vaut mieux Kabila que Félix Tshisekedi. Non, c'est une honte lorsque vous vouliez nous ramener à la gestion kabylienne. J'ai toujours dit l'art de Kabila, c'était l'impunité, l'immoralité. Et vous les savez peut-être plus que moi, puisque aux Alaganaï, aux Limodnaï. Il y a aussi une question qui se pose dans ces cas, parce qu'on a l'impression que pouvoir y aller l'eau et tikali, le quoi, on a ma boucle émissaire, moko, koko, taxara, à tout moment, si ça ne marche pas, c'est Kabila. Mais trois ans après, nous allons vers la quatrième année, mais madame, tout le bakar à Kabila, Kabila, Kabila. Écoutez, qu'est-ce qu'on dit au sala pour que ça change? Lorsque nous disons Kabila, c'est plus que Bango. Balingi va presser le président Félix Tshisekedi à changer condition à vie à peuple congolais à l'immédiat. Le changement est un processus, est un travail de dur labeur. Une maison qui est détruite, vous n'allez pas demander que l'on construise un jour moko. Non, impossible. Ils ont détruit ces pays. C'est pourquoi Tshisekedi a commis président lobby Mboko et Koufaki, ils ont détruit la RDC, dans le secteur Nyonso, Yambokanabiso. Alors ils veulent l'imposer à réussir automatiquement. Mais s'il faut faire cette étude comparative entre la gestion kabylienne et la gestion des... Quatre ans après, rapidement, oui. Mais madame, vous savez que Kabila nous a laissé un budget de l'État à 3 milliards de dollars en 18 ans. Et il est ressorti, lui, comme étant individu à plus de 200 milliards de dollars. Il fait partie des anciens présidents d'Afrique le plus riche. Mais il a laissé le Congo un pays très pauvre. Il n'a pas construit le Congo, il est allé construire Kingakati. Et vous allez comparer comme ça. Alors que Félix Tshisekedi devient président, il trouve un budget de 3 milliards et il se bat jusqu'à aujourd'hui, il a commis pratiquement à 11 milliards de dollars. Et ces 11 milliards de dollars ont été mobilisés en une année et demie. Je ne parle pas de deux ans de coalition entre FCC et Cash. Non, en une année et demie. L'année prochaine, on prévoit 14 milliards. Évidemment, 14 milliards 500 millions de dollars. En trois ans simplement. Et vous allez comparer une telle personne à M. Kabila? Non, mais soyons quand même sérieux. Le réserve d'échange pratiquement. Bambou a dit que la mission a 800 millions de dollars. Les autres sont à 4 milliards 200 millions de dollars. Et quand il se prétend ici pour commencer à faire des éloges, en fait, Bali va faire croire à un peuple congolais que nous n'avions pas travaillé. Mais nous avions travaillé. Tokutaki, certainement la conscience dans son article 43 qui demande l'application de la gratuité de l'enseignement. Nous sommes imposés pour que cette gratuité soit imposable à tous. Et ils ont dit que les enseignants ne seront pas payés. Nous avons payé les enseignants. Même le militaire, Kabila a dit que le militaire a un salaire à 100 dollars. On a relancé le remous et tout le monde est malin. La population n'a pas mis tout dans le chiffre. On a 14 milliards, combien de procès, qui s'amit. Mais la population, apparemment, au monde, on a 5 populations. Tout le monde partout dans le monde. Je vais vous dire une chose. Lorsqu'on mobilise les recettes et à l'État, au qui budget a été commis montant X au montant Y. Après avoir mobilisé recettes à l'État, l'État affecte Moussoulazui, notamment dans la secte rébellée. Quand Tshisekedi devient président de la République, Oulanda qui a une entreprise union sur l'État, 30 mois impayés, 50 mois impayés, ça marche. Il y a certainement des entreprises que vous appelez par exemple la Miba ou Ekoufa,
c'était une entreprise morte au Bangba Bomayango, Bajekamine, etc. On commence à mobiliser les recettes de l'État. Et bien, pour que l'État ait le moyen de sa politique, il a fallu commencer à relancer toutes ces entreprises qui sont mortes. L'État prend l'argent, il commence à affecter pour que l'on réveille toutes ces entreprises étatiques qui étaient mortes, notamment la MIBA. Vous savez, pour relancer la MIBA, il a fallu combien à l'État congolais? 50 milliards de dollars. Si je vous dis bien 50 milliards. Rapidement, et puis 50 milliards de dollars. Oui. Mais l'État mobilise des moyens, il prend pratiquement 1 milliard d'abord sur ce qu'il a collecté pour relancer la MIBA. Selon ce qui a été prévu, j'ai dit, c'est des choses que je maîtrise très bien. Ils ont discuté avec, le gouvernement a discuté avec les opérateurs économiques, avec le responsable de l'AMIBA, pour que l'on puisse affecter à l'AMIBA pratiquement 1 milliard de dollars chaque an, afin que l'AMIBA puisse aider à la relancer. Et c'est dans beaucoup plus de secteurs. Au-delà de ça, madame, on dit que nous avons mobilisé des moyens. Mais vous avez appris que nous avions ajouté les salaires aux fonctionnaires et agents de l'État. Bon, on t'osion wapi. Vous avez appris que nous avons topé si prime, il y a gratuité dans l'enseignant. Bon, on t'osion wapi. Allez-y, posez la question aux militaires. Ils ont fait 18 ans sur Kabila, 100 dollars. Mouza, Tika, Mouza, Laurent Désiré, Kabila, Tika, bon, on a un salaire à 100 dollars. Kabila, les fils payés, salaire 18 ans, à Tika, on a un salaire à 100 dollars. Mais lorsque Félix Tshisekedi était venu, à Baxil, bon, 30%. Certes, ce n'est pas encore, on n'a pas encore atteint une dimension que nous cherchions. Avec le peu de temps qu'il a fait, avec cette volonté, il a eu au moins Yako Matissa. Mais ils n'ont jamais fait cela. Alors, il ne faut pas ici comparer une gestion de 18 ans chaotique et une gestion de Félix Tshisekedi. Rapidement, sous la gestion de Félix Tshisekedi, vous n'avez jamais, la communauté internationale, l'Union européenne ou les États-Unis a sanctionné les acteurs politiques. Non. Ils sont sanctionnés. Par qui? Il critique la liberté. Alors, question à Bounagana. Liberté d'expression et maloko et kotonda. Non, maloko, mais oui, mais maloko, il faut tonda. Liberté de l'expression et le but est libertinage. Et le but est qu'on viole la constitution. Pour ce qu'on tangue article 23, je crois que Maître Azali Awa. Article 23 de la constitution, peut-être batouba tanga yango malam. Et j'aimerais ici que les gens puissent lire exactement ce que l'on dit dans l'article 23 de la Constitution. Madame. Alinéa 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. 2. Alinéa 2. Ces droits impliquent la liberté d'exprimer ses opinions ou ses convictions, notamment par la parole, l'écrit, l'image, virgule, sous réserve de la loi, de l'ordre public et des bonnes mœurs. Sous réserve, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez le droit de critiquer à Goloba. Mais il faut que tout ça libère. Vous n'allez pas commencer à insulter les gens à mentir la population sans démontrer des preuves et vous dites que nous sommes dans une liberté de l'expression. Non, attention, on dit la conscience dit bien sous réserve. Mais bango, bakenarota naga alinéa 1, liberté de l'expression. Mais lisez la alinéa 2, sous réserve du droit, du respect de loi. Alali moto amibeko, aibelo wa binga le respect de la loi. Et donc, je crois que malo que tonda pour na bato bali koto samibeko alitate, ezali pécheté. Et puis, mokonzambo kande akangakate, mibeko ne kanga. Alors, la question de Bounagana, madame. Question Bounagana, ça peut intéresser tous les Congolais. Puisqu'il s'agit d'une partie de l'RDC, vous allez maintenir. Moi, je ne parle pas des faiblesses. Et Zali faiblesse, c'était pour nous rappeler que l'aéroport, il y a beaucoup dans l'Est de la République, qui est maintenu par les Rwandais, les Ougandais pendant 18 ans. Banaye Kobimisaba minéré dans l'Est de la République pendant 18 ans. Félix Tshisekedi a récupéré Kiango. Je le dis bien, l'aéroport de Bougou pendant 18 ans. Ce n'est pas une faiblesse. Vous avez parlé de Bounagana aujourd'hui qui a fait pratiquement 3 ou 4 mois. Mais les gouvernements comme moi, la fin dit Mabou, Akani, Mabou côté, c'est-à-dire que nous sommes en train de travailler pour récupérer cette partie de l'Est de la République et nous sommes en train de nous battre. C'est grâce à l'état des sièges, l'Elo, Obaros, Abazar, Ondimate, que l'Elo, même au niveau de la communauté internationale, même au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies, nous avons affirmé et confirmé que le Rwanda est un pays agresseur. Et même le Sénat américain a reconnu cela. Antonio Brouquer est arrivé ici, il a reconnu toutes ces choses. Et le président Tshisekedi vous a dit, c'est nous sommes dans une guerre que nous appelons une guerre économique. Et c'est quoi la suite? La suite, ça veut dire quoi? Le gouvernement est en train de faire son travail, l'armée est en train aussi de faire son travail. Puisqu'il faudrait que je vous dise une chose, madame. La guerre de 1914 à 1918, la première guerre mondiale, ou la deuxième guerre qui a commencé entre 1940 et 1945, quand la guerre commence, on sait quand elle commence, quand elle finit, on ne sait pas. Motomorote attend la guerre toi on a réussi à l'Ukraine. S'il vous plaît. Toi bi guerre il a réussi à l'Ukraine des bandits. Maintenant aussi les Ibis. Ça veut dire que nous sommes dans ce que nous appelons un rapport de force. C'est pas Tshisekedi, Félix Tshisekedi qui a commencé la guerre dans l'est de la République. Ou c'est pas Tshisekedi qui a imposé l'insécurité. Mais est-ce que Ibis Kesaya qui moko va promesse na ya campagne? Mais évidemment. Ils allent moko va promesse na c'est pourquoi la Ibis que tant que ton côté aéroport il y a Bogo récupéré par le Rwandais, les Ougandais et si comme miner ben
Biso na ba FRDC de récupérer yango. Il y a je crois un mois, et tu coulika. Tu récupérais 17 otages maintenus par l'armée rwandaise. Et donc ça veut pas dire que l'armée congolaise a fondé qui mais non. Nous sommes en train de travailler, certes que nous avons un rapport de force. Les Rwandais sont en train de nous attaquer et nous aussi nous sommes en train de l'attaquer. Les Rwandais sont soutenus par certaines forces obscures autres ça pour déplorer yango. Et vous allez vous rappeler la réunion à tripartie. Le Rwandais a aussi accuser l'Ouganda qui fait partie des pays agresseurs du Congo. Ça ne veut pas dire que nous croisons les bras. Nous sommes en train de travailler. Et je pense que le gouvernement travaille. Les attaques étaient croisées en Borotobité, à l'aéroport de Nani Bounaga, à Toulessé, à mon nom. Nous sommes en train de nous battre pour récupérer cette partie. Très bien. De la RDC. Mais il ne faudrait pas dire que c'est Tshisekedi qui a commencé la guerre dans l'Est de la République. Ce n'est pas lui qui a incité cette insécurité. D'ailleurs, lui a appliqué la Constitution, puisqu'il a dit l'état de siège est Zarawana pour que nos militaires passent à la Moussala. Rebondir. Et puis, on peut s'abuser de solution pour clore si j'ai auto les canards, si j'ai mis balé, solution selon les solutions les années trois mois après. Est-ce que ça pleure à balkanisation des quotités? Est-ce que nani ni penza pour tout ça la bombo kaoyo et zambo kanabisonios opposant aux majorités? Qu'est-ce que nous devons faire à ce stade pour te récupérer, ma belle Nabiso? Non, mais merci beaucoup, Madame Naomi. Je vais faire un effort parce que, bon, na, à le moment où je vais vous avez 7 minutes parce qu'il y a Alexis Erna. Il y a un peu de il y a un peu de gratuitement, de savoir des prévus. C'est aussi quand même une élégance dans les débats. Parce que, la raison qu'on invoquait l'article 23, à l'époque, il y a un négociateur, il y a une opposition. Le président actuel est Tshilombo. Tu sais qu'il a qualifié Kabila, qui est Kabila, la famille, qui est un minéraire, il y a Katanga. N'est-ce pas que les minéraux, les mines à Katanga, et comment qui richesse privée à la famille à Kabila, au cas de la dérangeant de Tshilombo. Tous les propos tenus par M. Félix Antoine Tshisekedi de Tshilombo, à l'époque, il n'y a pas de dérangeant, madame. Dans les plateaux, dans les journalistes expérimentés, citez-moi tous les propos. Ma vidéo, nous sommes de Tshilombo, à Salah Yangwa, Lobango, si le Noël, si la combo à Kabila na famille, au cas de la dérangeant. C'est parce qu'aujourd'hui, les Congolais disent la vérité. Les Congolais disent, c'est Oyo, Oyo, il faut le Bayango. Mais devons-nous appliquer le même méthode parce que le Bézaï qui peut tout combattre la bise au carbone. Ça va dire la différence ou quoi? Bah, insulter, on va venir consulter, bah, tout, bah, opposer à lobby. Les lobbies comprennent que non, qu'au fin, ils ont mabé. Qu'au fin, ils ont condamnable. C'est comme ça qu'ils veulent donner des leçons. Au moment, on a vu, nous sommes les seuls pays Oyo, il y a une dame de 69 ans. À pèse à lobby, étant que Congolaise. À peu si point de vue, mais on voit M. Tshisekedi de Tshilombo, président de la République de son État, n'est-ce pas, à l'étranger, il prend le courage, il y a qu'on répond, une dame là, parce que la dame a touché son épouse. Est-ce que vous trouvez ça normal? Et, mais c'est comme ça. Bah, mais vous tout écoutez, en condamnant quand même madame, le propos de cette dame. Madame, laissez-moi le temps. Je vous en prie, oui. On se comprend. Et quelqu'un comme ça, il parle ici de la moralité. Mais c'est très grave. Surtout que dans la thématique ici, la moralité à Jésus en Boka, entre Kabila et Tshisekedi. Mais c'est grave, de Konangai. Nous sommes dans le seul pays où, Moto a détourné un bon, on l'a arrêté. Bah, ma paille, bah, misère. On est dans le temps que, bah, c'est un bon, misère. C'est là, il y a la moralité, il y a une question de la moralité à gestion de l'État. Procès à 100 jours. Les fameux projets ici, procès ici. Tout le monde va mal banda. Harry Magie a dit, bah, son moi-même, grâce présidentielle, n'a 2 millions de dollars. Harry Magie a dit ça. Au cas d'avoir été appelé. Donc, une ordonnance à présent, lui, bah, son bail, on va te kayango. Harry Magie a dit ça. Et quelqu'un comme ça, il veut faire la comparaison entre la gestion à Kabila, nanina, le plan moralité. Il n'y a pas moralité. Moralité actuelle aujourd'hui, c'est quoi? C'est la jouissance, madame. C'est ça même la différence. Ce qu'on a fait, monsieur, il y a au Kabila Salim, écoutez. Développement, madame. À l'époque, il y a pendant 18 ans, on a eu tous les terres pour libérer ma secteur. Tout ça, ma réforme, nécessaire. Et ma secteur, nous sommes. C'est comme ça que nous sommes en Congo. Ma secteur, nous sommes déjà libéralisé. Celui qui a des moyens, va investir à investir dans le secteur. C'est grâce à Kabila. Aujourd'hui, on parle même de l'augmentation à Bidje. Bidje ou Tarawak. Il y a un agneau sacré, à tout le monde, espère, il y a un. C'est grâce avec le code minier. Quand on se dit, bah, entreprise minière, tout le monde paie, madame. Mais par rapport à ce que tu as dit, quand tu as dit, c'est différent. Ils ont dit, le code minier, ils ont dit, cadeau, Kabila, parce que l'on va congoler. A qui il y a le moins de pouvoir, mais après, ça va congoler, cadeau, parce que, bah, retombé à Rouana. C'est grâce à ça. Mais la question, mangeur, ils ont dit, bah, bon, ils ont compte à mobilisation, bon, Rouana, ils ont qu'il y a de. Parce que moi, j'ai l'impression que non, tout ce que bon, on compte à la caisse, c'est à l'État. Ils ont servi de Félix Antoine Tshisekedi qui n'a pas voyagé.
Bah voilà, je veux que produit par effet mon côté. Et ça qu'on produit par résultat mon côté. Sur les côtés de mon côté. Non, madame. Écoutez, à quel moment on va investir? Bientôt 4 ans. Il y a eu combien d'investir dans mon côté. Sous leadership avec des coutures, il y a eu combien? 1. Il y a eu sous-appel de vendable. Il y a eu sous-appel de moi, sous-appel de moi, comment ça s'appelle? Endoxy. Il y a eu sous-appel de pasteur américain. Sous-appel de moi, il y a eu. Donc, si c'est qu'à seul au moins plus de 250 voyages. Aux plus un bon gagnant. Aux autres, madame. Solution pour la banane. Plus de 250 voyages. Mais t'as la résultat. C'est le travail à monitoring. Vérifier, il y a combien d'investisseurs au bail au-delà de ma voyage. C'est comme ça que nous disons bon, on y a ce qu'on a au côté, on a caisse à l'État. Et ça va permettre de négocier ce qu'il y a dit. Ah, qu'il y a un voyage, n'est-ce pas? Il y a qu'on s'appelle là. C'est ça l'image, on va dire ça. Différence, il y a moi. Non seulement il y a Souka. Alors, vous m'avez dit ça, salaire, mais écoutez. L'impact que Kabila a laissé. Bah, on est qu'on vive dans on se comprend. Par rapport actuellement, aujourd'hui, on a dit, bah, combien? Et puis, c'est déjà ouvert, madame. Bah, ce n'est pas combien, on va témoigner. Par rapport à l'augmentation à Nini, c'est rien du tout, madame. T'as la vie sociale, paye ni va combien ça d'accord. Chaque électeur, bah, qui t'a tout la veuve militaire. Mais la présidence, on a augmenté le salaire à 3 fois. Caméra dit ça. De ce que nous aurons 10 millions, 5 millions, bah, comment on a 15 millions la présidence? Et là, tu sais que la consonance, c'est là. Et dans les plateaux, jeune comme jeune qu'il est, il vient à se soutenir le Rwanda. C'est très grave. Solution, il parle encore régime, il y a sanction. Mais écoutez, lorsque si on a sanctionné à l'époque, c'est parce qu'il y avait déjà comme des Félix à l'opposition. Le travail, c'était quoi, madame? Alors, diaspora, allez salir, allez terminer l'image. Il y a régime, il y a Kabila. Mais moi, je te dis, bientôt là, les sanctions vont tomber. Prévenez que nous récemment, Nani, le fameux cas d'Imaïsi, il a reçu un envoyé spécial aux États-Unis. Il a invoqué la question. C'est pas peur. Attendons un moment pour elle a démenti. Il y aura elle les a gens démenti cette que les États-Unis. Elle a démenti. Madame. Pourquoi on sanctionne? C'est parce qu'à l'époque, vous savez, on a vilipendé le Congo Kabila pour rien. Parce qu'il voulait à tout prix être au pouvoir. Mais voilà maintenant, je suis au pouvoir. C'est chaotique donc. On n'a pas besoin de ça. Ce qu'on va s'asseoir, question va s'asseoir, ils ont la preuve aujourd'hui. Je suis avocat, dans la juriste. Oh, le bien, ça, c'est pour là que c'est ma preuve. Ce qu'on a aujourd'hui, madame, on a tué les gens. Il y a eu des morts dans la Goma. Ma Congolais va bénir mon histoire, Qui a créé cela? Est-ce qu'on a arrêté les gens? Bati qui a tenu ces propos-là, est-ce qu'on l'a interpellé? C'est très grave. Mais quelqu'un comme ça, il vient dans les plateaux, il raconte donc, j'ai pas besoin de ça. Une minute. Pour citer madame, quelle est la solution? Bounagana. Mais la solution est simple, madame. Cette guerre, Kabila a gagné en gros. Kabila a gagné la guerre Rwanda avec nos forces d'ici. Aujourd'hui, Ndeko Tshisekedi de Tshilombo a minimisé notre force d'ici. De ce comme si force d'ici a commis. Bazan limité, bazan ma capacité, il y a qu'à mettre fin à la guerre Rwanda. A évoqué Théorie et Bélo, non, tous agressés. Quelle agression, madame? Les discours et agressions qu'il y a jusqu'à quand? Le pays a besoin de solutions. Et la solution, c'est quoi, madame? Il faut que négocie. Ce qu'il dit, à quoi d'abord, un, que sa diplomatie de voyage là est produit et locomotive. Deuxième élément, madame, toujours sur le plan interne, nous avons notre phare d'essai. Il faut qu'on renforce ça, phare d'essai de la vision, avec tous les moyens nécessaires. Y compris logistique. Non seulement encore, madame. Notre service de renseignement. Pourquoi je travaille? On a vu les messieurs ici, comment ils s'appellent? L'adam, monsieur. Monsieur Avambelou. Il fait quoi comme travail, lui, il était grand-mère? Quel est le travail à Nel? À part qu'on va aller voir, on va communiquer à FCC. Il faut quoi comme travail? On, non seulement à Nel, il y a service, il y a Bemia. Service de renseignement militaire. Monsieur Avambelou, ça l'énime. Qu'on renforce. Pour les nids qui n'ont aujourd'hui. Donc, notre frère de sœur, incapable, il y a un bengana. Ça ou bien des soldats, il y a un M23. C'est ça l'image, madame. Et ce qui est grave, il n'y a pas de. Quand j'ai vu la signature, il y a quoi au Rwanda? Parce qu'il y a un militaire, il y a la communauté de l'Est d'Afrique. Il y a quoi soutenir notre armée, madame. C'est quelle honte! Tellement, il y a aussi une opposition, Tshisekedi. Après 37 ans, on critiquait le régime, il y a Kabila. Mais aïe, il y a un pouvoir, il y a incapable. Il y a qu'on restaurer. Et ça, arriver à la solution, madame. La plupart des pays où on a passé dans la carte à Congo, à travers la MONUSCO et d'autres forces, va porter une ligne. Et yon, tous en a confiance, il y a fort à descendre à Bissot. Nego Tshisekedi, il y a un pouvoir. Moi, je ne crois pas. Attends, on a pouvoir mourir au tantôt. Tantôt il touche ici, tantôt il touche là-bas. C'est ça l'image de Tshisekedi. Voilà pourquoi tu remets que non, leadership est allé faible. Très bien. Leadership est allé faible. Ma conséquence, il y a moi. Aux hommes, je crains que force ou armée, madame, va avoir la boucle à la mission. Va pas la suite pour exploiter ma minerai à la mission. Parce qu'il va y avoir une mission. Va y avoir une mission à la gaz de maté.
Très bien. Toi, on est là, Ndeko, Eric, toi, tu as un sujet, mon sou, Kassi, avant, toi, tu as un homme qui a Kati, à pouvoir, aux autres, ça appartient à l'Union sacrée, mais aux autres, Kati, à la ferté. Ce qu'il faut que ça soit une recommandation à l'État, parce que Bounagan a une question, aux autres, Talisabiso, aux autres, qui peut mis son yon soba namboka. Et récemment, même dans les réseaux sociaux, tout monique, Kuna, M23, a commis vraiment que ça, l'administration, naïe, que ça, ma pinga, naïe, comme si, mboka, ne koma ki ya. Et bah, solution, ni penza, okoye kope sa na, tata mon kondi, eko la zola, nda bison na tango. Oui, mais le principe me voudrait ce que recadrage technique est là. On a 3 minutes. On ne peut pas mentir le peuple. À lui, arrestation. Sauf Félix Tshisekedi, ce n'est pas Tshisekedi qui arrête, c'est la loi qui arrête quand on va à la contre. Au Fingi, au Lobi Mabe, au Kangayo. Mais il y a pas d'égo Fingi. S'il vous plaît, monsieur. Et puis à l'Obia, madame, moi je suis écouté. Félix, il y a pas d'égo Fingi à Kabila. Au cas où il va interpeller Félix. S'il vous plaît, au cas où il va menacer Félix, madame. Selon Maloba, Tozon, selon Maloba, Ndeko. Et à l'Obi, Félix Tshisekedi, il y a pas d'égo Fingi. Sauf Félix Tshisekedi, il y a pas d'égo Fingi. Pourquoi la justice à l'époque, quand il y a qui était? Ça veut dire que vous avez eu une justice faible. Puisque l'État est là pour arrêter. C'est logique, madame. Ce qui, X personnes sous Kabila, demandaient qu'on finisse, alors qu'on critiquait, et que Kabila a été, tout le monde Kabila a testé que la justice a été, c'est que vous avez eu une justice faible. Puisqu'on ne peut pas avoir une justice faible. Une justice faible est blague, ça a instabilité même, il y a une institution. Donc ça veut dire que c'est une mauvaise gestion. Il fallait l'arrêter. Alors, Biawa. Je l'ai évoqué, le dossier 100 jours, etc. Mais il y a un qui a, vous allez mettre que la justice a fait son travail et tout ça, au cause de la justice. Et puis, automatiquement, vous pouvez vous condamner. C'est une chose et son contraire, maître. Vous êtes maître. Les décisions de la justice, vous pouvez vous en être tant qu'avocat, vous allez voir. Donc, mais je crois que... Mais si il y a une grâce présidentielle, parce que vous avez un problème. Madame, insistez. Grâce présidentielle, on va prendre la grâce. Harry Manji, il est de la famille. Comment il est de la famille. Et puis mettre à l'obi, Azozoa, Harry Manji à l'obi comme référence. Harry Manji à l'obi. C'est un ancien prisonnier? Y a-t-il un intellectuel, c'est pas à cause de la référence à Bata Bongote. Il doit aller à la source, il est intellectuel, pour savoir qu'est-ce qui a été fait. Jouissance, il parle de la jouissance, monsieur. Jouissance, oui, jouissance. Mais écoutez, la grande jouissance, c'est ce que nous voyons en Kingakati. Récemment, vous avez qui voit dans maman au livre Lembe, à Wuchoko, Pesabine, à Goulia, au Meli, au côté de la jet, à celui de la jet, la boîte. Jet, la boîte des nuits. C'était la jouissance là-bas, et on n'a pas parlé. Peuple a levé à côté. C'était où les jouissances c'était? Les assistants. Et où les jouissances c'était? Les agences des Marbella, les champagnes, et sa famille, tout le monde. Les agences, et puis à l'objet code minier, les cadeaux pour la communauté, les cadeaux des Kabila à la fin de son mandat n'étant pas en accord avec la communauté internationale, entre guillemets, l'Union européenne, faire face au Batouana, il est allé, n'est-ce pas, qu'au sa code minier pour affronter Batouana. Il a fait ça pour la parce qu'il était avec traité avec la coopération avec les Chinois, etc. Il voulait faire face à l'Union européenne. Et ça là qui gâteau tapé ça va peuple congolais. Là, il faudrait l'évoquer. On le dit PIB va congolais allez monter, mais bien autant bokeyi botika PIB à congolais combien? Mais soyons quand même sérieux. PNB à congolais allez. Produit intérieur brut, produit national. Donc ici il faut pas pour la raison là, Albi Mabati. On a la côte sangate à CG, il y a Albi Mabati, à Ghana na est, etc. Écoutez, oui, le professeur Modeste Bati, je l'ai toujours dit, c'est un homme d'éthique, de la déontologie. C'est un homme qui sert la République. Bati est un responsable. Et quand il arrive dans la partie est de la République, il regarde les Congolais ou Bazali, responsable de Kolaya, MC Bango. Il faudrait que tout ça la fasse. Il y a Bato Bazako attaqué Bisso, c'est-à-dire le 1-23, etc. Et il a demandé à la population, il y a qu'à adhérer à l'armée, à nos FRDC, pour Bisso Mokoto défendre l'intégrité territoriale. C'est-à-dire que ce n'est pas la MONUSCO qui viendrait comme nous dans la place de Bisso, c'est nous-mêmes les Congolais. C'est pourquoi il a demandé à la population congolaise, il y a qu'à côté de l'armée, n'est-ce pas, pour faire face en fait que tout récupérer pour Bounagana Toza Koulouba. Alors, revenons à la question pour la résolution. Moi, je crois que la question de la guerre, de l'insécurité, c'est une question où tous les acteurs politiques doivent regarder la direction mon corps pour trouver la solution. Je suis toujours sidéré quand il s'agit de l'insécurité. Il y a Est, aux gens comme on a battu pour taxer Félix, c'est que le rôle a créé l'insécurité. Il n'a pas trouvé, c'est pas lui qui a créé l'insécurité. Il faudrait émettre des points, c'est-à-dire des analyses objectives, c'est-à-dire qui peuvent permettre à ce que les missionnaires soient vaincus côté. Puisque l'insécurité repoussera quand même la stabilité politique et économique. L'insécurité, on fait appel aux investisseurs, à l'Obiango. Mais un investisseur serait pour venir investir, il faut être à la Moko Sécurité Zali, puisqu'il ne viendrait pas jeter son argent pour Aboumissin. Alors c'était une question importante, Bissot Total à Touba, qu'est-ce que nous pouvons faire pour résoudre ces problèmes? Mais curieusement, nos frères, Bazali, Bato, Bazali, tergiversé, Bazako Luka, Gato, Metropé, Sabango, Gato, Anate. Donc je pense que
Non, et fardé, c'est basalique au salam, Mais nous demandons encore plus de moyens. Je crois que dans la loi et finances, exercice 2023, je crois que septembre, ils ont les sessions budgétaires. Je crois que dans la répartition, il y a Missoulet Taliba armé. Je demande à ce qui est au gouvernement, il y a qu'on mobiliser un peu plus de moyens, tout qu'il y a qu'on répartir, bon et belé pour la quoi affecter. Et ça, je joins encore ma voix. Il y a Mozu Talouba qui est comme un scientifique, un intellectuel qui a dit pour faire la guerre avec le Rwanda et les autres, il nous faut pratiquement un milliard de dollars. Mozu est un intellectuel, est un monsieur intelligent, bien qu'il est dans l'opposition. C'est ça, une position réfléchie. Vous êtes dans l'opposition, vous faites des propositions. Je pense que s'il faudrait que nous puissions mobiliser le 1 milliard ou plus de 1 milliard de dollars pour faire la guerre, et vous allez le comme Mozu. Le président Mora Lobby, il faut réduction des trains de vie des institutions. Lui-même l'a dit. Et je pense que certains députés l'ont dit. Il faut train de vie des institutions, parce qu'ils allaient penser à budget. Il faudrait les dire en toute sincérité. Pourquoi tout ça pour le Bayango? Pour le peuple. Alors, on ne peut pas accepter, étant congolais, qu'il y ait ceux-là qui reçoivent un peu plus. Et il faut qu'on rappelle en gros que train de vie institution, oh, et tout ça, comme on a les lots, donc, je pense que nous allons, à notre niveau, voir comment nous allons orienter les débats pour résoudre cette crise aux alliés. Et puis, tout ça, là, pour ma ponamé, il y a une calamité en 2023, il faut que nous faisions un effort pour. Il y a Est, à l'époque, en 2018, c'était plus de 1 million quelque chose à participer. Et avec la politique du président Félix Tshisekedi, nous allons nous battre pour que les Congolais soient. Et on a pour Bounagan, Mabouka Bangouna, 2023, deuxième sujet, Nabiso, est calé pratiquement 10 minutes, bazar déjà. Na régie tokolobela parcours sociopolitique ya mboka na biso depuis Mobutu Tshisekedi lelo et puis le D Kabila sans état d'âme, sans couleur politique, que retenir du parcours politique sociopolitique de notre pays, le chef de l'État congolais au succédé na mboka na biso Mobutu Kabila Tshisekedi bango nyonso tozana discours moko intéressant ki oloroti entel kuna saya kelo rote to uti wapi to sokende wapi na mboka na biso ndeko jano maloba na mboka na mboko na yo. Merci maman. Oui, na ko sala effort na cadre ya minute na même si question na et je sais que moi ba minute et bele pona ko ramasser de 60 jusqu'à nos jours, mais bon na ko sala effort na le bataba grande ligne. Mais c'est important donc maman mais bele na yo ki awa. Je dois préciser encore de plus madame. Na lobi Harry Mangi. Il est d'avocat d'un parti politique de l'opposition qui est le PPRD, à ça la prison, parce qu'il a dit ce qui est à propos de l'opinion politique, il va commencer à une infraction. Mais Abima en prison, à que l'ordonnance présidentielle président, on a 2 millions. Il y a eu tout Abima en ordonnance gaz présidentielle. La gaz présidentielle, il y a 2 millions. Harry Magie a dit ça. On ne va pas contredire. Ce qui est la présidence, ou la source, on ne va pas contredire. Bon, il y a contredire Harry Magie. Yo, côté de l'Aribazi. Madame, on va ça concerner. Tout à l'heure, on a placé le bâtiment dans le contre. Non, mais c'est important. Bah, bon, réalité, à moi, non. Ce que l'on ne va contredire, non. C'est pourquoi on va se contredire. Parce que, bah, il y a bien, Montez, madame. Deuxième élément, à l'objet de Gomorabio, il parle sur l'honnêteté à battre le couple. L'éthique. Bah, tu n'as pas l'éthique, mon cher ami. Ceux qui battent, c'est une éthique politique, il n'a pas de bâti, non, maman, il faudrait ça, n'est-ce qu'on poursuit une année. N'est-ce qu'on poursuit une année. Mais regardez, bâti. Bati, c'est parmi les modèle, il a la société. Parce qu'il a montré à quoi il est capable. Il a compris même son âme à lui, son âme, mon aïe, pour nous avoir pouvoir. On a vu comment Bati il était mis à côté à l'époque, entre la coalition FCC Cage. Il était à côté parce que Mathieu, qu'on désigne tant qu'il a présenté au Sénat. Mais il a passé quelques mois, madame, en train de chercher des côtés le mot partout. Parce qu'il voulait à tout prix en pouvoir. C'est ça l'image à bâti. Donc quand on voit des gens comme des bâti, des mains de tout consort là, ce qu'on a dit, c'est que ça va nous faire la place du pouvoir et aller. Et c'est ça l'image à bâti. Parce que bâti, ça n'a même pas eu une opposition à une année. Mais Kamera, à l'époque, Kamera, quand Kamera a quitté Kabila à l'époque, Kamera passait au moins une année. Chez lui, à la maison, en train d'observer. Mais bâti, ce n'était pas le cas. Bâti, c'est d'abord le pouvoir, l'égoïsme, c'est ça l'esprit à bâti le coeur. Et il parle dans les plateaux, Bati, c'est quelqu'un qui est modèle. Bati n'est pas un modèle. Parlons comme ça. Et ça sonne. Mais la question est la sécurité, madame. Alors, oui ou non, tu sais qu'il n'a pas créé ça. Non. La situation 2023 actuelle, madame, il y a 2021, 2022, s'appelle Neko Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est lui le responsable. Pourquoi je vais démontrer, madame? Un, qui a signé les accords avec le 2023? C'est Tshisekedi. Vous avez suivi, vous êtes journaliste. Des révélations. Il y a Manjok, madame, écoutez. Madame.
des révélations faites par le major Willy Ngoma, porte-parole M23, quand il a dit... Mais c'est un rebelle, faut te dire... Non, madame, attention, non. Communication, c'est important. Quand on voit qu'il y a un mot, qui m'a signé qui m'accord entre Bango et les Tshisekedi, lorsque madame qui logeait dans le Congo central, même ici à Kinshasa, madame, au cas de contrôler la présidence, même ceux qui le gouvernement sont contredits en haute, mais hier on contredit en haut, madame. C'est lui, madame. Non seulement, on l'a considéré à ça. Qui a donné aujourd'hui l'opportunité aux Rwandais d'avoir du travail? C'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. On a signé les accords, il y a l'exploitation, il y a notre mineur, la mine ici. On nous dit toujours madame, que c'est Kabila. On nous dit toujours que c'est Kabila le père. Non, c'est faux, non, même pas. Regardez, Kabila a signé l'accord à Némona. Mais tu sais qu'il a signé l'accord à Moi, madame. Aujourd'hui, le Kigali, à Kigali, ma PC, ma jeune, ma Rwanda, la Missala. Mais ici, à Kinshasa, on a donné quoi? Quel est l'emploi que tu sais qu'il a créé en signant les accords là, madame? Ce n'est pas ça. On l'a considéré qu'on limité à ça. Qui a donné l'exploitation à notre aéroport? Madame, Nagoma, c'est qui? C'est Tshisekedi. Ni t'étais esprit à vigilance, à peuple congolais, Nagoma, police rwandaise, balinga ba ko sécuriser, ba ko congolais Nagoma. C'est parce que peuple boyango. Donc aujourd'hui, bisu tozolo ba madame, citation à est du pays 1-23, responsable nango l'auteur nango, c'est monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est lui le responsable. Et il est censé, avant de partir, avant de quitter le pouvoir, il faut assurer que c'est la mission Bounagana. Parce que le Congo, c'est notre Bounagana. Donc, c'est très important. Bah, Congolais, bah, y'a, ok. Citation, oh, yo, c'est Neko Tshisekedi. Au moins, il y a une façon de classe. Mais, est-ce qu'on n'a pas le droit de t'en rater? Parce que Tshisekedi, la salle, il m'a dit, oh, yo, à ce point, il y a qu'on démenti, en gros. Même son porte-parole, il est silencieux. Pour qu'on démenti, ma grand-mère, papa, y'a, comment il s'appelle? Y'a Major Ngo, madame. C'est très important. Bah, y'a, que non. Makamouya, est-ce qu'il y a M23, c'est Tshisekedi les problèmes et c'est lui la solution. Parce qu'il faut créer un mot, alors que nous avons dit, à cause de ça, madame. Mais la question que c'est la bilan, il y a notre parcours, 70 ans après. Mais c'est très difficile, madame. Pourquoi? Parce que toi, l'indépendance. D'abord, nous avons dit, Patrice Emery Lumumba, leur combat, racheter l'indépendance. Sous l'indépendance, tu as une indépendance à 60, madame. Même pas au-delà de 5 ans, il y a eu coup d'État. Des autres continents qu'on fait entre Lumumba et Kassavou, Walib, Bakabo, le coup d'État, vous allez au pouvoir. 32 ans règne, madame. 32 ans règne, avec la dictature, tout à l'intérieur, madame. Mais il y a eu des héros, des Congolais, des voyants Congolais. Oh, bah, c'est courage. Il y a quoi? Non, trop, c'est trop, il fallait qu'on stoppe la dictature. Wana. Ce commissaire, comme on dit, va l'aura désiré Kabila. A Kenda qui n'a maquis, bah, quand il y a une rébellion. Pour stopper la dictature à Mobutu. Parce qu'à un moment donné, il fallait que Mboka ait la démocratie. Il faut toujours la démocratie mon corps réelle. Oh, tout ça vivant pour le moment, madame. Ce conseil que rébellé, c'est le maquis. Mobutu est coquiné. Mobutu a créé. Laura Désiré a yéi. Laura Désiré, il a travaillé sur le pays, madame. A travaillé pour Mboka. Même ici, tout ça n'a pas qui est Mobutu. Parce que Mobutu n'a pas qu'il a travaillé par qui est Mboka Nabiso. Et chaque le 24, tu connais ça comme Mobutu. Parce que c'est par rapport, il y a qui est dans le cadre de l'État des Nations. Mais l'aura de Kabila, Kabila a travaillé, madame. Kabila a travaillé pour la corridor encore. L'image est à malgré Mobutu, tu as dit malheureusement, quand Bangouna est à Congo, il y a Congo, madame. Il y a qui comploté. Il y a qui est Kabila. Il y victime, il y a coup d'État. Les victimes et assassins, bah, ils ont assassiné na quatre à parler de la nation. C'est un coup de pont dans beaucoup de choses parce que quand on a vu un libérateur, ou à libérer Mboka, bah, bombier, ça, comme ça, même 5 ans, il y a pouvoir, mais l'impact qu'il était l'état à Guana, tout le monde a qui la différence par rapport à Mboka de Bissou. Joseph Kabila Kabang, aïe, madame, un Kabila, aïe, Kabila sous pouvoir, Kabila a commencé à travailler encore davantage. Kabila n'a pas pleuré, Kabila n'a pas regardé le passé de son père ni de Mobutu. Parce que quand Kabila a le pouvoir, je crois que le 19 janvier 2001, Kabila a été condamné, papa n'a été. Kabila a été condamné, Mobutu, par rapport à la gestion. Je me rappelle à l'époque, il voulait voir, oh, écoute, Zaki m'a belé, madame. Mais Kabila a eu le pouvoir. Kabila a continué le pouvoir 2 ans après, une année après. Il a rébellé, il a dit. Aussi, il a Bemba, il a Roubewa, Baptiste, il a dit, non. Il a eu la rébellion. Kabila était que parti, était que révolutionnaire, était que nationaliste. Parmi les priorités à l'époque, il y a Kabila. Il fallait d'abord qu'on réunifie Mbokao. Kabila a réunifié Congo. Kabila a pacifié Congo. C'est comme ça qu'à travers tous les belligérants, on a toqué un dialogue à 5 cities. Toyo Kari que non, désormais, pour nous avoir le pouvoir, si on a le pouvoir, il faut que nous avons une élection. C'est comme ça que la constitution actuelle, on a qui j'ai beaucoup de respect, Eric. Kabila a pensé qu'il va congolais. Donc, ce qu'il a dit, t'as une démocratie, c'est parce qu'il a dit, j'ai un pouvoir là, je devais, à se sacrifier.
pour que Mboka Oyo soit réellement état des droits, réellement un pays émergent, réellement Mboka Oyo et comment la dimension comme d'autres pays du monde. C'est comme ça que Aboy qu'on s'est limité à ça, madame. À qui qu'on peut s'amboka Oyo artinance. Au sommet, madame. Les Oyo, on a 30 ans d'années, madame. Natika la commune en Angote. Mais c'est grâce à Kabila, il y a deux présidents. Il y a le président Oyaza en actuel, Oyaza en exercice, Oyaza en exercice. Il y a un ancien président de la République. Oh, c'est qui le pouvoir, mais à longueur, madame, mon nous qui est bête, tu vas confronter. Donc, ce sont à qui, Oyo, n'est pas à tout moment, tu peux reconnaître Kabila. C'est comme ça que dans la loi, il y a des biens, monsieur Nayoki. Kabila, c'est notre monument, c'est notre héros vivant. Parce que dans la démocratie, madame, démocratie au Tchouk, l'état des droits, c'est quoi? Le combat de Tchouk, aujourd'hui, parce qu'il a récupéré ça, c'est dans la constitution. Mais il y avait un bâtisseur. Oui, Bandaki Yango et Moussa les a continué. Très bien, Dekolanga. Tu as commis vraiment la souka émission rapidement, mais monsieur Eric, tu sois là, aux années 5 minutes, Nayo, parcours sociopolitique Yambo Kanabiso. Apparemment, le mal du Congo, est-ce que c'est l'homme politique? Toi, tu vois plutôt ce qu'il y a de ni nani a sali nini, nani a bomimboka. En écoutant Maître Jeannot, que je respecte beaucoup, il y a quoi affirmer, Henri Magis, le rôle la parole d'évangile, alors qu'il est intellectuel. J'appelle ça une pénurie d'arguments, une pénurie de réflexions. Vous êtes intellectuel, rozoa elo ko mutalobi ti sans vérification, alobi ba pesa ki mbongo sans que vous ayez vous avez vous tigali ko mbongo. Lui il a des preuves. Non mais quand vous dites lui il a des preuves, mais ces preuves là vous devriez les détenir et quand vous parlez avec des éléments. C'est ça un intellectuel. C'est ça être réfléchi. Alors, alobi magamba tiawa, il a parlé n'importe quoi sur mon président du parti, il faudrait un peu un recadrage. En fait, l'éthique ne veut pas dire simplement faire de l'opposition. Non. Ne pensez pas que le fait que battre ça la proposition, c'est ce qui revient à dire le manque d'éthique et de la déontologie. Non. Je te donne l'exemple de Marine Le Pen en France. Oui. Elle est candidate à la présidence de la République, oui. À perdre l'élection. Anzimik à perdre l'élection. Azongi comme députée nationale à l'Assemblée nationale. Oui. Voyez-vous, Marine Le Pen, on gifle Emmanuel Macron à Paris par un citoyen français. Il condamne cet acte. Mais au Congo, vous et les Kabilistes et les autres, c'est-à-dire que c'est ça être de l'éthique. Alors, Bati n'a jamais servi des individus. Bati, l'éthique qu'il a, c'est servir la nation. Être responsable, apporter des solutions. Et si vous investiguez pendant qu'il fut ministre et à plan, etc., économie, etc., dans tout ce qu'il a fait, vous ne trouverez jamais des bavures. C'est un homme qui a fait son travail comme il se doit. Avec responsabilité, avec engagement. Donc, il ne faut pas ici venir mentir le peuple congolais, bâti, alors que c'est un homme qui a de l'éthique, je l'affirme et je le confirme. Alors, Olobiawa, Makambuya, DGDAO, enfin, qu'est-ce que je dis Kabila, Tshisekedi, Akotseba, Rwandais, après, c'est pas Misala. Mais l'ancien directeur, il y a DGDA, qui est mort, perd son âme, Deo Runguzinza, son Akosa, Nabusa, il était qui? De quelle nationalité? Il est congolais. Je réponds, il est congolais. C'est Tshisekedi qui l'avait donné le travail. Alors, je savais. Laissez-moi finir. Il y a toi le ministre. S'il vous plaît. Il n'était pas congolais. J'affirme ce que j'ai dit. Il n'était pas congolais. Et à la DGDA, les investigations que nous avons menées, il y avait plus de 850 agents rwandais à la DGDA. C'est Kabila, c'est Tshisekedi qui les avait mis là-bas. À la DGM. Non, madame, c'est faux, mais. À la DGM. La direction générale, c'est ici. Ils sont ce Rwandais-là. C'est plus ça. C'est moi qui ai la parole. Oh, Eric, mais. À la DGM. Tu es mon ami. Rapidement, je te respecte, je l'ai dit la vérité. Mais, maître. Ils sont ce Rwandais-là. Maître, s'il vous plaît. La DGDA, c'est ici, tout le monde est là. Maître, s'il vous plaît. Je l'ai dit, je confirme ce que j'ai dit à la DGDA. Nous avons trouvé 850 agents rwandais. Dont vous avez géré ces pays. À la DGM, ils sont là. Dans beaucoup des entreprises ici, ils sont là. Ce n'est pas Tshisekedi qui les a. C'est pas. J'ai dit, je sais de quoi je suis en train de parler. Madame, si vous voulez des preuves, ça, c'est pas des faux intérêts. Mais si c'était nous l'opposition, j'assume ce que j'ai dit. Je suis un chercheur, analyste, intellectuel. J'ai dit des choses avec des preuves. Si vous voulez que je vous amène des preuves, je vous amènerai. On va en 5 minutes. Alors, c'était ça. Alors, 5 chantiers. Alobi, Tshisekedi a apaisé Rwandais, entreprise, etc., exploitation, bilogue, tout ça. Vous voyez, projet à 5 chantiers. On va payer ça à carré minier, dans la chinoise. Attends, là-bas. Projet à 5 chantiers, 2006. Mais il y a eu derrière tout. Laissez-moi finir. Mais c'est comme il est là, voilà la réalisation. S'il vous plaît. Mon ami chasseur. Laissez-moi finir la phrase. Tous aussi, les adhésions de Colanga. Le lobby, ils ont besoin de 6 milliards de dollars. Madame, soyons intellectuels. La paix, c'est carré minier.
na ba chinois pour bazwa financement à 6 milliards. Et les, ils ont reçu pratiquement 3 milliards pour européen ça va 6 milliards pour qu'il ait tournement là-bas, ça va 3 milliards de dollars. Mais ce que les chinois ont exploité, ce qu'ils ont eu, c'est plus de 10 milliards de dollars. Est-ce que les Congos ont bénéficié de cela? Combien d'emplois a été créé dans le projet One? Soyons quand même sérieux. Alors quand on vient faire des éloges à M. Kabila ici sur ce plateau, mais je crains. Hein? Vous faites les éloges de Kabila, Rossi Mukendi est mort, Thérèse Bakapangala n'est pas là, mais Eric Bokolo n'est pas là. Vous êtes heureux. Donc il faut ici essayer. Abi, c'est Tshisekedi qui a signé les accords avec le Rwanda. Eric, ok, on est dans le poteau, moi, Ming, ils ont besoin de la Alobi, Tshisekedi a signé les accords avec le Rwanda. Monsieur Maître, c'est grave ces allégations que vous dites. Le M23 ont demandé à Tshisekedi de respecter les accords que vous avez signés. Sous c'est entre et c'est Tshisekedi et M23. On a vu même des photos, madame, Magana Sekoumango. S'il vous plaît, monsieur. L'accord du 23 mars 2009, Tshisekedi était président de la République. C'est le M23 qui a demandé à Tshisekedi de respecter les accords que vous avez signés. Je donne la date, le 23 mars 2009. Et c'est Tshisekedi qui refusa. Voilà pourquoi les M23 et l'AMU qui a constaté en train d'abattre les paisibles Congolais. Il n'a pas accepté de vendre ces pays. Vous l'avez vendu. Il faut l'assumer. Alors, je crois qu'il y a beaucoup de choses à pouvoir dire. Revenons à la question que vous avez posée fondamentale, c'était sur, n'est-ce pas, depuis 60 jusqu'à aujourd'hui. Moi, je crois que les problèmes, je ne vais pas refaire l'histoire parce que je n'ai pas le temps. Le problème que nous avons vécu au Congo, c'est l'homme, les hommes moto. Moto congolais. Je ne parle pas seulement de l'homme politique, je parle de l'homme congolais, moto congolais. Dans ces pays, nous avons des problèmes, il y a moto congolais. Qui ne sait pas ce qu'il veut, qui n'est pas responsable, qui n'a pas d'ambition, qui n'a pas de vision et qui n'a pas de projection. Le jour où tu as la vision, tu as l'autolingi, les Congolais ont décollé. Regardez au Gabon, ils avancent. Regardez l'Angola, ils avancent. Regardez certains pays, ils avancent. Les pays africains, l'Afrique, ils avancent. Mais chez nous, au Congo, depuis 1960, Tozumbo Kanabiso, Mobutu Pa Azu Yango pas à plusieurs réalisations, je crois, à Pessi Bandekonae, et les choses ont commencé à aller, COP et comme République de Yakop, Mouzaïe, tout ça, ce que nous avons vécu. Kabila vient, il paye, il exploite, il fait tout ce qu'il pouvait faire. Et le pays est devenu aujourd'hui. Et nous avons même cette difficulté. Non, Tshisekedi arrive. Non, voilà. S'il vous plaît. Voilà. S'il vous plaît, il arrive. Moi, j'aimerais être si responsable. Certainement. Il y a eu des tournements. Chacun sa part de responsabilité. Évidemment, il y a eu des tournements. Il y a eu des bavures. Il faudrait les... C'est pourquoi j'ai parlé de l'homme. Ma petite tâche à responsabilité, tu ne sais pas faire ce travail comme c'est de commission au COP. Et il faut quand même essayer d'applaudir, madame. Mais au moins sous le régime de Tshisekedi, il y a ceux qui sont arrêtés pour avoir détourné. Dites-moi ce Kabila qui avait été arrêté pour avoir détourné. Même le procès 100 jours, le tombeau est vide. Là maintenant, ce n'est pas le problème de Tshisekedi, puisqu'il existe ce que nous appelons les principes de séparation de pouvoir. Je le maître à Ebiango. Justice, à qui jamais Koukoutal Makambouita. En fait, il ne peut pas s'ingérer dans l'institution présidente de la République. Donc là, il faudrait interpeller, n'est-ce pas, justice. Appareil judiciaire, sur ces bavures d'un niveau de justice. Tout ce qu'il y a au mot de la fin, tout ça, la nini, pour que je puisse être déconné. Moi, je crois que tout doit repartir la conscience de l'homme. Repensons notre vision, réorganisons, refaisons notre manière de faire les choses. Ayons de l'éthique et de la déontologie. Aimons ces pays et les choses vont décoller. Maître Jeannot, tu sais, il y a une minute, il y a une minute, il y a ça là, et tant que citoyen congolais, pour que mon cannabis soit décollé, parce que si le lot, tout le monde a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, mais qu'est-ce que nous devons faire? Non, mais madame, écoutez, tu crois qu'Éric a une partie, il y a réflexion, mais Kabila a le bas qui est déjà. Kabila a regretté après 18 ans à pouvoir, il n'a pas pu changer l'homme congolais. C'est ça le combat qui demeure encore, madame. Non seulement le combat pour changer l'homme congolais, mais ceux qui sont au niveau sommet, les leadership, ceux qui sont faibles, ils sont pas sans zéla malongate, madame. C'est ça la conséquence. C'est comme ça que nous disons. Le seul moyen pour changer Mbouka Oyo, il faudrait que non. 2023, il faut l'élection à Malamou, l'élection à Kadimate, l'élection à Dédéné Kamoulet de la Coupe de Sénat. L'élection à Malamou. Non, madame, c'est le seul parce qu'ils ont un mot d'accession au pouvoir. Ton imaki, l'unique qui peut nous abuser à moi, parce que tu as besoin d'un coup d'état, tu as besoin d'assassinat. Tu as besoin de Tokota Moutoumoussou. Non, tu as besoin de changer Mbouka. Non, madame, non, c'est ça, Manine. Lorsqu'un président a le pouvoir,
non seulement la projet société naïe aya ka même na makanisinyo sona kati pona ko bongo la mboka. Donc ceux qui volonté zali dans 5 ans on peut faire quelque chose. Oh, dans 5 ans de Kotisikedi, on a vu l'État marbelé dans ma vacances, on a vu à plusieurs fois dans ma fête. Donc, c'est ce que le Congo va retenir. Voilà pourquoi on a remettre fin à ça. Rendez-vous, c'est en 2023. Bélection à Malamu. Parce que ceux qui bélectionnent, c'est madame. Tshisekedi tout le monde à cause à la terre. Donc, pour vous, pour commencer quelque part, il faut tout dans l'élection. Madame, c'est très c'est le seul moyen parce que on va s'en aller. Émission Sili. Il faut qu'il y ait tout dans l'élection. Maître Janol OPP, merci Mingi, Ndeko, Eric Tshisoaka, merci Nadia Mosaïk Nabiso, merci Namino Bolandi Biso partout dans le monde, Tokutani Lobby, merci l'équipe technique et Zalaki Wana pour Nakobimisangaï, Nbanda Kunabino, Tokutani très prochainement, toujours avec le même plaisir, Toloba, toujours, pour Nakongo.